Il nous est arrivé un truc de dingue. On est entre Amalfi et Positano. Là. Et en fait, bah là, je vous montre. En fait, c'est ce coin là en fait que j'ai voulu filmer. Je sais pas si je vais réussir à récupérer la vidéo. J'étais à plus de 600 mètres de. Au moins 700, 800 mètres de distance de moi, le drone. Et j'ai perdu la connexion. J'ai jamais réussi à récupérer la connexion. J'ai commencé à baliser. J'ai essayé, bon, à tout le moment, il est tombé dans l'eau. Bah, plus de panique, on a pris la route. On a refait le chemin inverse. Du coup, on est reparti. Je le trouvais pas. À un moment, j'ai réussi à le capter, donc c'est comme s'il volait toujours, mais impossible de savoir où il était. J'étais sur ma télécommande, j'ai mis la carte pour voir la dernière position connue. J'étais à cet endroit-là, j'ai réussi à retrouver la connexion, donc ça veut dire qu'il était pas tombé en l'eau, donc voilà, il était encore allumé si tu veux. On était en plein milieu de la route, dans les virages, j'ai dit putain, Anaïs, dépose-moi là, moi j'ouvre la porte, et il y a plein de bagnoles devant, derrière, sur les côtés. Je dis, vas-y, arrête-toi, moi je sors de là. Et on a arrêté chez des gens. Bon, il y a une dame qui nous a laissé rentrer, mais on est dans des propriétés privées. Et en final, bah, il était dans l'arbre qui était quelque part dans l'arbre ici, quoi. Donc, sacré souvenir, hein, on va arrêter les conneries pour aujourd'hui. Non, franchement, gros coup de presse, mais tout va bien, ça repart. Thank you.
Oh. Ah. Ah.